le Matin. 7h48, Olivier Mazerolle, vous êtes ce matin avec Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Olivier Mazerolle. Tout d'abord, deux questions franco-françaises. Le gouvernement doit-il interdire la <laughs> manifestation prévue pour demain si les syndicats persistent à vouloir défiler Quel gâchis Le gouvernement devrait interdire les casseurs, c'est-à-dire se donner les moyens d'éviter ce qu'on a vu qui est intolérable et qui donne une image mais désastreuse de la France. Et donc accepter la manif. Mais... Quand on est incapable de faire respecter l'état de droit, quand on a un gouvernement faible, on aboutit à ce dilemme. Soit on interdit la manif, ce qui ne serait jamais vu dans un pays démocratique. Non, vous n'êtes pas pour. Je ne suis pas pour, je suis pour qu'on interdise des casseurs, qu'on se donne les moyens d'agir et qu'on ne les laisse pas faire. D'autre part, le nouveau PDG d'Air France a-t-il eu raison de rouvrir les discussions avec les pilotes pour éviter une grève dans l'immédiat Il a raison de rouvrir les discussions. Maintenant, il ne faut pas céder à tout. Il faut... Projeter Air France dans le futur, euh, il faut sortir de cet état de guerre larvée qu'il y a dans notre pays. Et le gouvernement ferait mieux euh, d'abroger la loi travail qui n'a aucun sens. Euh, quel gâchis, encore une ça, fois. Ça ne concerne pas les pilotes, hein. Non, mais je parle d'une manière générale. Est-ce qu'on peut pas, dans notre pays, se mettre autour de la table et s'attaquer aux vrais problèmes Je pense par exemple aux travailleurs détachés. 500 000 travailleurs étrangers de l'Union européenne qui ne payent pas les charges sociales dans notre pays et qui font faire faillite à des milliers de PME d'artisans. France réclame une modification. Euh, ça fait de la réglementation ça fait dix ans qu'elle réclame une modification et qu'elle ne la fait pas. Il faut déchirer cette directive. Il faut défendre nos salariés, nos PME. Et plutôt que de se diviser sur cette loi de travail, si on s'attaquait à la baisse des charges dans les PME, si on remettait en cause la directive des travailleurs détachés, bref, si on agissait sur les points importants. Alors, euh, on a touché du doigt le problème européen. Vous êtes favorable au Brexit, à la sortie de l'Angleterre euh, de l'Union européenne. Les Anglais se prononcent demain, mais en quoi, s'ils sortaient, cela serait-il bénéfique pour l'Europe Vous savez, d'abord, c'est une leçon de démocratie. Souvenez-vous, nous, nous avons eu un référendum en 2005. Le nom l'a emporté. Et Nicolas Sarkozy, avec l'aide des socialistes, d'ailleurs, soyons très honnêtes, euh, a violé le peuple. Et a fait adopter par le Parlement exactement le même traité. Oui, mais les Espagnols avaient voté pour, les Luxembourgeois et avaient voté pour, donc les peuples européens étaient dispersés. Fr les Français le n'avaient pas voté pour la sortie de l'Europe, ils le avaient peuple voté contre. Un traité. Et le gouvernement Sarkozy a imposé ce traité contre l'avis du peuple. Moi, je crois en la démocratie. Vous savez, il y a un principe de l'ONU, fondamental comme gaulliste. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous sommes le seul peuple français. Les uns le bah si, peuple français. Nous ne sommes autres. Mais le peuple français, je vous parle pas et des Espagnols bourgeois avaient voté mais pour ce traité, mais les Français ont voté contre. Mais, ont ont voté avoir contre, raison mais la sagesse c'est pas de chercher un, un compromis. Mais il n'y a pas eu de compromis. On a imposé un traité que les Français ont rejeté. Je crois en la démocratie. L'Union européenne est incompatible aujourd'hui avec la démocratie. On le voit par exemple sur la Turquie. Il y a un accord qui est négocié par Mme Merkel dans le dos de la France pour libéraliser les visas, c'est-à-dire permettre, les Français doivent le savoir, au 1er octobre, la libre circulation de 80 millions de Turcs. C'est ça la démocratie François Hollande trai... a dit qu'il s'y opposerait. Bah, il ne s'est pas opposé et ça s'appliquera très probablement le 1er octobre. Le traité transatlantique, négocié qui va ruiner tous nos terroirs, notre agriculture, notre alimentation, est en train d'être négocié dans le dos des Français. La commission de Bruxelles, il faut que les Français le sachent, vient de porter plainte contre la France pour supprimer le SMIC des camionneurs. On est dans une organisation qui n'a plus rien à voir avec la belle Europe que j'aime. L'Europe d'Airbus, l'Europe des coopérations, ça oui. Mais l'Europe d'une petite élite qui gouverne contre la démocratie, il faut en finir. Et le Brexit, j'y viens, va permettre d'accélérer la réorientation complète de cette construction qui est en train de ruiner. Même si les Anglais restent oh, De toute façon, les Anglais sont beaucoup plus forts que nous. S'ils restent, ils ont des dérogations énormes et ils pèseront plus parce que les peuples qui se font respecter obtiennent plus en Europe. Et s'ils sortent, cela va permettre enfin de revoir ce fonctionnement parce que j'espère qu'à un moment, après le référendum français, après l'échec dans tous les pays, regardez ce qui se passe à Rome, regardez ce qui se passe en Espagne, J'espère que les gens qui sont à Bruxelles et qui dirigent contre les peuples comprendront qu'ils sont en train de ruiner l'Europe et on peut faire autrement. Alors, est-ce que le peuple français est aveugle parce que malgré tout euh, quand on regarde les résultats des élections présidentielles, le peuple français n'a jamais voté ni pour vous jusqu'à présent en tout cas, ni pour vous, ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Jean-Pierre Chevènement, ni Michel Debré, ni même Marie France Garaud, et vous qui croyez... tous et ont... eh bien L'aider pour la souveraineté nationale. Sauf Monsieur Mazerolle, qu'aujourd'hui, les Français commencent à voir dans leur vie quotidienne, en termes de chaos migratoire, de pauvreté de masse, de diminution des salaires, les comptes de délocalisation, les conséquences très concrètes de ce système. Mais moi, vous savez, je ne suis pas pour faire disparaître l'Europe en soi. Je suis pour qu'on rende aux nations le contrôle de leurs frontières, de leurs budgets, de leurs lois, et je suis pour qu'on redéploie les coopérations sur des points concrets. Je vais vous donner un exemple. La lutte contre le cancer. On ne peut pas se mettre à deux ou trois pays avec de fortes industries pharmaceutiques pour éradiquer ce drame. Le plan pour l'Afrique... L'Europe d'aujourd'hui ne l'empêche pas Non, elle ne le permet pas. faut fonctionner à 28. Vous le savez. Et, Et les, les coopérations... coopérations Est-ce qu'ils l'ont fait depuis 30 ans ah, Non, c'est autre chose. Eh ben, parce est que, que c'est l'Union européenne telle qu'elle a été mise en place qui l'empêche. Il faut revoir l'organisation. Il faut l'Europe serve les Européens. Vous, vous proposez du un bon traité sens. alternatif pour une Europe des nations et des projets. Euh, 18 articles, si je me trompe, ou 19, je plus, ne sais plus. plus. Euh, bon, plus euh, Mais ce que vous proposez, c'est finalement le retour à ce que nous avons connu avant, par exemple, la création de l'euro. Vous dites qu'il faut des monnaies coordonnées, mais plus d'euros. Mais on a connu ça il y a encore 20 ans, il y avait des crises non, permanentes non. sur la dévaluation je, du fonds. Je reviens, ce que je propose. C'est la seule Europe qui a marché, c'est celle d'Airbus. C'est une Europe... Concrète à moins de pays sur des objectifs ciblés. Mais la politique agricole euh, commune, ça a compté pour le. Oui, elle a marché euh, et elle ne marche plus aujourd'hui, les assist... être Mais enfin, non. Eh n'empêche que, avez... que la solidarité a fonctionné. Mais bien sûr, mais vous me caricaturez. Justement, je ne suis pas dans la critique seule, je suis dans la proposition. Et j'ai proposé un traité alternatif pour montrer, prouver qu'on peut reconstruire les choses, que les peuples ont quand même le droit de choisir leur Europe. C'est comme un syndic de copropriété. Je vais vous donner un exemple. S'il s'indique de copropriété, S'occupe de la couleur de votre papier peint, de l'heure à laquelle vous allez manger dans votre appartement, euh, de qui vous allez inviter dans votre chambre à coucher. Vous ne serez pas d'accord. En bien revanche, que le syndic de copropriété, Monsieur Mazroa, laissez-moi finir mon explication. Oui. Le syndic de copropriété, il doit s'occuper euh, des jardins de l'immeuble, de l'antenne de télévision. Chacun doit jouer son rôle. Les Et je souhaite que les Français Nicolas maîtrisent leur pays. Les peuples. C'est ça la liberté. Sont tous en train de demander le maintien de leurs prérogatives qui ne sont pas forcément celles du voisin. Et alors? Mais, Mais est-ce qu'on est obligé les de vivre tous ce... Mais non. Vous confondez l'uniformité à la diversité. Les Anglais ont le droit de vivre comme ils veulent, les Français aussi. Ça n'empêche pas de travailler ensemble. Arrêtez de vouloir tout fondre dans un modèle unique qui ne correspond à personne non, et qui nous appauvrit. Mais la solidarité, je ne suis pas hostile, a une condition. C'est que les 8 milliards d'euros que l'on verse aujourd'hui, 8 milliards d'euros de contributions nettes de la France. Je préfère que ça serve aux petits retraités Et qui ont des petites retraites. Et 8 milliards d'euros de la PAC, on les refuse non, alors Parce que 8 milliards d'euros après avoir reçu l'argent. On dépense pour l'Union européenne 8 milliards d'euros pour financer nos concurrents polonais, roumains qui viennent prendre nos emplois. Ça suffit. Je veux qu'on défende les emplois des Français, je veux que notre pays s'en sorte, je veux qu'on contrôle les frontières. On ne va pas continuer à vivre comme des gens soumis. Merci Nicolas Dupont-Aignan.